nous venons rappeler tout le monde directement qui concerné, nous capables de dire public là, en général, conformément aux prescrits des articles 3.1, 5, 7, 8 et 9 du décret du 25 novembre 2020 qui fixait règles relatives à l'obligation d'affichage des prix au paiement en goudes et niveau marge bénéficiaire que yo doit faire sous prix produit yo. Sous paiement tout bien produit ak service k'ap bay dans tout pays a doit faire en goudes qui c'est monnaie nationale là. Par conséquent, pas gain personne moun qui capable refuser recevoir goud la comme paiement dans quelle que soit transaction cap faite, en particulier les yon moun a payer loyer caille. Les nous parler de loyer caille bagay ça gen pile moun nan population an, nous capable di moun ki pi vulnérable yo, moun ki pi pauvre nan société a, les yo a la fermer yon caille, yo pote kòb la bay propriétaire le li rive propriétaire dil c'est dollar américain pour le pot balé. Eh bien, nous dit jodi a les moun nan paye l'école ou bien frais scolaires dans l'école classique ou bien technique ou bien l'école professionnelle dans toute université ak établissement d'enseignement supérieur sans distinction aucune dans le pays, eh bien, tout le monde qui pourra le payer doit payer en goud qui c'est l'argent pays. Malheureusement, le ministère commerce et industrie constate gagner des contrevenants. Ça veut dire moun kap violé la loi, que yo se commerçant, que yo se moun kap vann service ou tout kalte l'autre moun, yo violé systématiquement principe sa ki di ou capable refuser goud nan men moun nan transaction, sa ki cause en pile préjudice pour l'État, pour consommateurs, pour toute société en général. Le ministère du Commerce et de l'Industrie invite tout le monde sa yo kap violé la loi pour yo respecter scrupuleusement décret 25 novembre 2020, nous saute parler là. Parce que si vous refusez de faire ça, vous avez subi peine à condamnation que décret ça prévoit dans l'article 7, 8 et 9 décret ça qui est sorti dans le moniteur numéro 41 30 novembre 2020. Yon lot bo, devant constat catastrophique,
que genyon bon moun ki pa gen autorisation pou sa ke yo rele kanbis la. Tout kote n pase nan la ruyan, se kanbis. Yal pran kob nan men gwo zouzoun. Le BRH genyon to. Eh bien, yo même yo pran kob la, yap fè marché noir avec li nan la rue. Nou mande kanbis sa yo a pati de semen kap vini yo ke yo met komanse retire kò yo nan la rue parce que la loi pral pase wè yo. Yo gen pou mission ale nan BRH al mete yo an reg avec la loi. Le sa yo pral genyen yon bureau d'échange, eh bien n'importe moun capable al nan bureau a al changer l'argent nan mes kanbis yo. Sou marché a continuer yo continuer marché pile décret 25 novembre 2020 en papier sous intermédiaire d'échange décret BRH te fait sortir. Pendant y a acheté à revendre l'argent étranger spécialement dollars américains tout partout dans pays a ministère commerce ak industrie nan obligation pour le faire moun sa yo songe que violation la loi sa infraction sa li ka fè yo condamné d'après ça qui dit nan article 54.1 54.2 et 55 décret sa qui sous intermédiaire de change BRH la et qui nan moniteur numéro 41 30 novembre 2020 encore. C'est peut-être ça nous vinn faire appel ça matin. Tout moun a cherché dou la et tout moun nan pays a y a travail sa kap travail yo. C'est en goud yo touché. Et lè yo rive kote pou yo jwenn servis la, yo exige yo pou yo paye dolar. Et n'ap mande lokater yo, si yo deja habite yon kay, yo pote goud la li, propriété a pa pran, ou met vini nan minister komès, n'ap ba ou tout accompagnement qui possible et pour faire ça la loi dit qui doit fait c'est al déposer comme ça nan DGI pour moun ça et gen en pile maison qui tap loué dollar kayo en dollar. Nous dénonçons moun sa yo, vin nan ministère commerce ou pas besoin identifier ou ban nou adresse ban nou kay la et laisse à l'état pour le faire moun sa yo payer sa yo te doué payer l'état parce que y a touché en dollar et puis y a bay l'état un kakaran en goud et l'état a prend toute disposition dans sens ça.